Salut à toutes et tous. Alors encore de la lecture critique et objective. Qu'on le veuille ou non, la vérité n'est pas toujours celle qui est la plus évidente. Et donc c'est pourquoi j'amène un texte qui donne d'autres éléments de réflexion et qui vont peut-être paraître étonnants pour certains, mais pas du tout pour d'autres. Washington face à la colère du peuple tunisien. Un article qui a été écrit par Thierry Messant, publié sur voltairenet.org le 23 janvier 2011. Alors que les médias occidentaux célèbrent la Jasmine Révolution, Thierry Messant dévoile le plan US pour tenter de stopper la colère du peuple tunisien et conserver cette discrète base arrière de la CIA et de l'OTAN. Selon lui, le phénomène insurrectionnel n'est pas fini et la vraie révolution, tant redoutée par les Occidentaux, pourrait rapidement commencer. Voici quand même une petite note pour éclaircir des faits. Le général William Ward, ancien responsable de la répression dans les territoires palestiniens, devenu commandant de l'Africom lors d'une cérémonie en mai 2010. L'armée tunisienne a été réduite au minimum à ce moment-là, mais le pays sert de base arrière aux opérations antiterroristes régionales et dispose de ports indispensables au contrôle de la Méditerranée par l'OTAN. Les grandes puissances n'aiment pas les bouleversements politiques qui leur échappent et contrecarrent leurs plans. Les événements qui ont fait vibrer la Tunisie depuis un mois n'échappent pas à cette règle, bien au contraire. Il est donc pour le moins surprenant que les grands médias internationaux, suppôts indéfectibles du système de domination mondiale, s'enthousiasment soudainement pour la révolution du jasmin et multiplient les enquêtes et reportages sur la fortune des Ben Ali, qu'ils ignoraient jusque-là malgré leur luxe tapageur. C'est que les Occidentaux courent après une situation qui leur a glissé des mains et qu'ils voudraient récupérer en la décrivant selon leurs souhaits. Avant toute chose, il convient de rappeler que le régime de Ben Ali était soutenu par les États-Unis et Israël, la France et l'Italie. Considéré par Washington comme un État d'importance mineure, la Tunisie était utilisée au plan sécuritaire, plus qu'économique. En 1987, un coup d'État soft est organisé pour déposer le président Habib Bourguiba au profit de son ministre de l'Intérieur, Zine El Abidine Ben Ali. Celui-ci est un agent de la CIA formé à la Senior Intelligence School de Fort Olarbid. Selon certains éléments récents, l'Italie et l'Algérie auraient été associées à cette prise de pouvoir. Dès son arrivée au Palais de la République, il met en place une commission militaire jointe avec le Pentagone. Elle se réunit annuellement en mai. Ben Ali, qui se méfie de l'armée, la maintient dans un rôle marginal et la sous-équipe, à l'exception du groupe des forces spéciales qui s'entraîne avec les militaires US et participe au dispositif antiterroriste régional. Les ports de Bizerte, Sfax, Sousse et Tunis sont ouverts aux navires de l'OTAN et en 2004, la Tunisie s'insère dans le dialogue méditerranéen de l'Alliance. Washington, n'attendant rien de spécial de ce pays au plan économique, il laisse donc les Ben Ali mettre la Tunisie en coupe réglée. Toute entreprise qui se développe est priée de céder 50% de son capital et les dividendes qui vont avec. Cependant, les choses virent au vinaigre en 2009, lorsque la famille régnante, passée de la gourmandise à la cupidité, entend soumettre aussi les entrepreneurs états-uniens à son racket. De son côté, le département d'État anticipe sur l'inévitable disparition du président. Le dictateur a soigneusement éliminé ses rivaux et ne dispose pas de successeur. Il faut donc imaginer une relève s'il vient à mourir. Une soixantaine de personnalités susceptibles de jouer un rôle politique ultérieur est recrutée. Chacune reçoit une formation de 3 mois à Fort Bragg, puis un salaire mensuel. Le temps passe. Bien que le président Ben Ali poursuive la rhétorique antisioniste en vigueur dans le monde musulman, la Tunisie offre diverses facilités à la colonie juive de Palestine. Les Israéliens d'ascendance tunisienne sont autorisés à voyager et à commercer dans le pays. Ariel Sharon est même invité à Tunis. Passons donc à la révolte. L'immolation par le feu d'un vendeur ambulant, Mohamed Bouazizi, le 17 janvier 2010, après que sa charrette et ses produits aient été saisis par la police, donne le signal des premières émeutes. Les habitants de Sidi Bouzid se reconnaissent dans ce drame personnel et se soulèvent. Les affrontements s'étendent à plusieurs régions, puis à la capitale. Le syndicat UGTT est un collectif d'avocats manifeste, s'élant sans avoir conscience de l'alliance entre classe populaire et bourgeoisie autour d'une organisation structurée.
Le 28 décembre, le président Ben Ali tente de reprendre les choses en main. Il se rend en chevet du jeune Mohamed Bouazizi et s'adresse le soir à la nation. Mais son discours télévisé exprime son aveuglement. Il dénonce les manifestants comme des extrémistes et des agitateurs stipendiés et annonce une répression féroce. Loin de calmer le jeu, son intervention transforme la révolte populaire en insurrection. Le peuple tunisien ne conteste plus simplement l'injustice sociale, mais le pouvoir politique. À Washington, on constate que notre agent Ben Ali ne maîtrise plus rien. Le Conseil de sécurité nationale Jeffrey Feltman et Colin Carl s'accordent à considérer que le moment est venu de lâcher ce dictateur usé et d'organiser sa succession avant que l'insurrection ne se transforme en authentique révolution, c'est-à-dire en contestation du système. Il est décidé de mobiliser des médias en Tunisie et dans le monde pour circonscrire l'insurrection. On focalisera l'attention des Tunisiens sur des questions sociales, la corruption des Ben Ali et la censure de la presse. Tout pourvu qu'on ne débatte pas des raisons qui ont conduit Washington à installer le dictateur 23 ans plus tôt et à le protéger tandis qu'il s'accaparait l'économie nationale. Le 30 décembre, la chaîne privée Nesma TV défie le régime en diffusant des reportages sur les émeutes et en organisant un débat sur la nécessaire transition démocratique. Nesma TV appartient donc au groupe italo-tunisien de Tarak Ben Ammar et Silvio Berlusconi. Le message est parfaitement compris par les indécis. Le régime est fissuré. Une petite note supplémentaire, le producteur Tarak Ben Ammar, propriétaire de Nesma TV, est associé de Silvio Berlusconi. Il est l'oncle de Yasmina Trojman, épouse du ministre français de l'Industrie Éric Besson. Simultanément, des experts états-uniens, mais aussi serbes et allemands, sont envoyés en Tunisie pour canaliser l'insurrection. Ce sont eux qui surfent sur les émotions collectives, tentent d'imposer des slogans dans les manifestations. Selon la technique des prétendues révolutions colorées élaborées par l'Albert Einstein Institution de Gene Sharp, ils focalisent l'attention sur le dictateur pour éviter tout débat sur l'avenir politique du pays. C'est le mot d'ordre Ben Ali dégage. Masqué sous le pseudonyme Anonymous, le cyber-escadron de la CIA, déjà utilisé contre le Zimbabwe et l'Iran, hack des sites officiels tunisiens et installe un message de menace en anglais. Alors, l'insurrection. Les Tunisiens continuent spontanément à braver le régime, à descendre en masse dans les rues et à brûler commissariats de police et magasins, appartenant au Ben Ali. Avec courage, certains d'entre eux payent le prix du sang. Pathétique, le dictateur dépassé se crispe sans comprendre. Le 13 janvier, il ordonne à l'armée de tirer sur la foule, mais le chef d'état-major de l'armée de terre s'y refuse. Le général Rachid Amar, qui a été contacté par le commandant de l'Africom, le général William Ward, annonce lui-même au président que Washington lui ordonne de fuir. En France, le gouvernement Sarkozy n'a pas été prévenu de la décision états-unienne et n'a pas analysé les divers retournements de veste. La ministre des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie, se propose de sauver le dictateur en lui dépêchant des conseillers en maintien de l'ordre et du matériel pour qu'il se maintienne au pouvoir par des procédés plus propres. Un avion cargo est affrété le vendredi 14. Lorsque les formalités de dédouanement sont finies à Paris, il est trop tard. Ben Ali n'a plus besoin d'aide, il a déjà pris la fuite. Ses amis d'hier à Washington et Tel Aviv, Paris et Rome lui refusent l'asile. Il échoue à Riyad. Il aurait emporté avec lui 1,5 tonnes d'or volées au trésor public, ce que démentent les autorités encore en place. Au niveau marketing, donc voici le logo de la Jasmine Révolution qui apparaît au moment exact de la fuite de Ben Ali. Au centre, on reconnaît donc le point levé, symbole ex-communiste utilisé dans toutes les révolutions, coloré depuis Optor en Serbie. Vu de Washington, l'important est d'affirmer que les événements sont finis et qu'ils s'inscrivent dans une dynamique internationale libérale. Aussi, le titre est-il inscrit en anglais et le drapeau tunisien est-il réduit à une simple fioriture sur la lettre R. Mais on passe donc du jasmin pour calmer les Tunisiens. Les conseillers en communication stratégique US tentent alors de siffler la fin de la partie. Tandis que le Premier ministre sortant compose un gouvernement de continuité, c'est là que les agences de presse lancent l'appellation « Jasmine Révolution ». Les Tunisiens, assurent-elles, viennent de réaliser leur révolution colorée. Un gouvernement d'union nationale est constitué. Tout est bien qui finit bien. L'expression « Jasmine Révolution » laisse un goût amer aux Tunisiens les plus âgés. C'est celle que la CIA avait déjà utilisée pour communiquer lors du coup d'État de 1987 qui plaça Ben Ali au pouvoir. La presse occidentale, désormais mieux contrôlée par l'Empire que la presse tunisienne,
découvre la fortune mal acquise des Ben Ali qu'elle ignorait jusque-là. On oublie le satisfecit accordé par le directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn, au gestionnaire du pays quelques mois après les émeutes de la faim. Et on oublie le dernier rapport de Transparency International qui affirmait que la Tunisie était moins corrompue que des États de l'Union européenne comme l'Italie, la Roumanie et la Grèce. Les miliciens du régime qui avaient semé la terreur parmi les civils durant les émeutes, les obligeant à s'organiser en comité d'autodéfense, disparaissent dans la nuit. Les Tunisiens que l'on pense dépolitisés et manipulables après des années de dictature s'avèrent fort matures. Ils constatent que le gouvernement de Mohamed Rajnouchi, c'est du bénalisme sans Ben Ali. Malgré quelques ravalements de façade, les caciques du parti unique, RCD, conservent les ministères régaliens. Les syndicalistes de l'UGTT refusent de s'associer à la manip états-unienne et démissionnent des postes qu'on leur a attribués. Outre les inamovibles membres du RCD, il reste des gadgets médiatiques et des agents de la CIA. Par la grâce du producteur Tarak Ben Ammar, le patron de Nesma TV, la réalisatrice Moufid Atletli devient ministre de la Culture. Moins showbiz, plus significatif, Ahmed Najib Chebbi, un pion de la National Endowment for Democracy, devient ministre du Développement Régional. Ou encore l'obscur Slim Amanou, un blogueur rompu aux méthodes de l'Albert Einstein Institute, devient le secrétaire d'État à la jeunesse et des sports, au nom du fantomatique parti pirate relié à l'autoproclamé groupe Anonymous. Bien entendu, l'ambassade des États-Unis n'a pas sollicité le Parti communiste pour faire partie de ce soi-disant gouvernement d'union nationale. A l'inverse, on prépare le retour de Londres où il avait obtenu l'asile politique du leader historique du parti de la Renaissance, Ennahda, Rached Rannouchi, islamiste ex-salafiste, il prêche la compatibilité de l'islam et de la démocratie et prépare depuis longtemps un rapprochement avec le parti démocrate progressiste de son ami Ahmed Najib Chebbi, un social-démocrate ex-marxiste. Dans le cas d'un échec du gouvernement d'union nationale, ce tandem pro-US pourrait fournir une illusion de rechange. Une nouvelle fois, les Tunisiens se soulèvent, élargissant eux-mêmes le mot d'ordre qu'on leur avait soufflé. RCD, dégage. Dans les communes et les entreprises, ils chassent eux-mêmes les collaborateurs du régime déchu. Une note plus. Le vrai siège du pouvoir n'est plus au Palais de la République, mais à l'ambassade des États-Unis. C'est ici que l'on a composé le gouvernement Rannouchi. Situé hors de Tunis, dans un vaste campus barricadé, l'ambassade est un gigantesque blocus hautement sécurisé qui abrite les postes centraux de la CIA et du MEPI pour l'Afrique du Nord et une partie du Levant. Vers la révolution. Contrairement à ce qui a été dit par la presse occidentale, l'insurrection n'est pas encore terminée et la révolution n'a pas encore commencé. Force est de constater que Washington n'a rien canalisé du tout, hormis les journalistes occidentaux, plus encore aujourd'hui que fin décembre. La situation est hors de contrôle. Donc c'est un article, comme je vous ai dit, de Thierry Messan, un analyste politique français, président fondateur du réseau Voltaire et de la conférence Axis for Peace. Il publie chaque semaine des chroniques de politique étrangère dans la presse arabe et russe. Dernier ouvrage publié, L'effroyable imposture 2. Bien, je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir écouté. À bientôt.